Alors, qu'est-ce qu'on faisait là déjà? C'est toi, je crois qu'il y avait aussi des Ah, il y trucs. avait des trucs à loot, on se demandait ce qu'il y avait. Mais apparemment, il n'y avait rien. Bon. Ce que je te propose, c'est qu'on retourne à la ville. Ouais. Du coup, On va ouais. plutôt, enfin, du coup, on va plutôt retourner au bateau. Comment on retourne au bateau? T'ouvres la carte et tu sélectionnes le point de passage du bateau. Ou sinon, tu te téléportes à moi, ça marche. Ah, je peux pas. Ne peut pas être utilisé dans une zone réglementée. Ah oui, c'est car tu peux pas l'utiliser quand on parle de. Oh, j'ai volé un truc. J'ai volé un tonneau de pétrole. En vrai, alors les tonneaux de pétrole, il faudrait que j'en vole parce que il y a une quête avec des tonneaux. Ah, il y a des gens morts. Moi, j'ai aucune race, hein. Les gens morts, à moi le loot, hein. On va voir s'ils ont de quoi looter. C'est vrai que j'en ai. On a sauvé l'autre. Bon, on a sauvé l'autre, entre gros guillemets. Oh, de l'argent. Le gosse, il y avait de l'argent sur lui. On peut pas looter les enfants morts. Très bizarre. Ah ouais, toute la famille Cronley là. Finito. Bon. Je peux voler de la purée. Si ça a une grande intérêt, une grande importance. Ouais. J'entends des explosions là où je suis. Je vais éviter de faire un attentat. Ah oui, on peut comme ça se TP. Allez, dame vengeance. Voilà, je suis heureux là. Bon, Ifan, tu vas passer à la moulinette. Bon, Chinoiru, il va pas trop bouger. C'est en bas, hein. Moi, dans Mirror Cal, donc. Allez hop, Ifan, la moulinette. Va changer tes points. Pas Chinoiru parce que Chinoiru. Ufan. Bon, géomancien, ça sert à rien. On va mettre en invocation. Je vais juste regarder ses capacités. Il permet d'esquiver des attaques d'opportunité. Lorsque vous partez à l'aventure seul ou avec un compagnon. Ouais, non, bof. Trouflet, je vais le garder. Ami des bêtes, je sais pas si c'est une grande intérêt. Attribut. Je sais plus. Je vais retirer un point de force et me mettre un peu plus en dextérité. Il a un point en éloquence. Ouais, c'est intéressant, un point en éloquence. Art de guerre, bon, vu qu'il se bat à l'arc, ça sert à rien. Vocation, ça fait quoi? Vos totems et créatures invoquées ont 20% de plus en vitalité, aux dégâts, en armure physique. Ok. Que je crois qu'il a pas besoin de tant de points en chasseur. Voilà, on va faire égal à l'égal. Troc, il a 4. Ami des bêtes, je crois que Shinoaru a ami des bêtes lui aussi. Donc ça sert à rien qu'il ait tous les deux. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme tête brûlée? Moi, ouais, bof. Compétences de combat ainsi que un point supplémentaire de capacité civile. Je sais pas trop quoi en penser. Ranger, ça fait quoi? Les flèches infligent infligent des dégâts élémentaires supplémentaires en fonction de la surface. Oh, ça c'est bon. Ranger élémentaire.
Vu qu'il se bat à l'arc. Bon, jeu de mouchoir, bon ok, je vais bien lui laisser. Bois, bon. Comme ça, son loup est fort. Peut-être laisser. Je vais mettre un point en perception. Du coup, après, je te conseille pas de lui apprendre tes compétences, ta vocation. Tu vas avoir une seule créature invoquée en même temps. Bah, il a son loup. Tiens, on va peut-être faire Chinoiru. Vas-y, je vais modifier Chinoiru aussi. Alors, Chinoiru. Une base d'intelligence. J'ai l'impression qu'il a pas besoin d'intelligent, quoi. Peut lui retirer tous ses points d'intelligence, vraiment c'est pas grave, il a aucune de ses compétences se base sur son intelligence, donc il a 2 points en hydrophysique. Ok. Il a C'est pas comment ça finit là, mais. c'est son équipement qui lui confère ça, mais. Alors guérilla fait 40 dégâts quand il est furtif. Bon, on va pas se mentir, il est rarement furtif. Ouais, il a mis des bêtes, donc on va lui laisser à lui. Ah ok, jeu de chasseur, jeu de mouchoir, c'est pour les chasseurs uniquement. Démon, ça fait quoi ça? Ah ok, bon, il sera jamais. Il n'utilise pas de magie tout court, donc il n'a aucune compétence liée à ça. Ouais, guérilla, c'est pas. Je l'utilise pas en fait, ça marche pas en fait. Bah ça marche pas. Ouais. Au moins les dégâts de 40% lorsque vous êtes en mode furtif, bon, on va pas se mentir que je suis rarement en mode furtif. Canon de verre. Et Ouais, votre sinon, maître. je suis en train de te mettre, de te spécialiser le fauve dans le soutien. Maintenant, il veut apporter 2 compétences de plus, une qui permet la téléportation. En vrai, ouais, soutien, ça peut être pas mal du coup. Chinois rouge, je peux mettre de l'évasion. Du coup, en gros, ça fait quoi? Ça fait qui permet de fuir même s'il y a des ennemis à côté de lui. Normalement, bah, fuite. Ambidestre, non. Affinité élémentaire, réduit en coup. Bah, il utilise pas de sort, donc il s'en fout de ça. Je sais pas quoi mettre. Donc, faire 3 points supplémentaires en mémoire. Ça peut être bien. Vous permet d'effectuer des attaques d'opportunité. Ah, pourquoi pas. Vous pouvez faire un PA de déplacement gratuit à chaque. Ah, nécessité de fripouille. Ah, c'est un truc de voleur, ça. Art de guerre. On fait un bonus de vitalité de 3% par point investi en art de guerre. Ah, ça peut être pas mal. Les états que vous causez. Certains états que vous causez ne sont plus bloqués par la mer physique ou magique et leur durée est augmentée d'un tour. Brûlure, empoisonnement, hémorragie. Ah, hémorragie. Nécroflamme, acide, suffocation. Ah, rupture des tendons, ça aussi je l'inflige. Ah, je pourrais lui mettre ça, tortionnaire. J'hésite, soit c'est tortionnaire, soit ce serait. C'est quoi le truc Oh, ça. Ah ouais, revenant, en gros, au lieu de mourir, s'ils doivent subir un coup fatal, ils meurent pas. Après, c'est vrai qu'il est plutôt tanky. Tête brûlée, vous confirmez. Non, ça c'est nul pour lui. Il se bat pas à l'arc. Il peut pas utiliser de flèche. Mettre de l'évasion, c'est vrai que c'est marrant. Opportunité ou pion. Vous conférez un PA de déplacement gratuit à chaque tour. Ah, vas-y, c'est bien pion. En gros, il aura pas besoin de se déplacer. Fripouille, faudrait que je regarde. C'est quoi sa compétence qui nécessite. C'est vrai que j'ai pas regardé, ils ont combien. Sa capacité là. Qui nécessite le plus de points de fripouille, c'est quoi? Parce que bon, peut-être retirer des points de fripouille en vrai.
Celui-là, c'est quoi? Faut être 5 de fripouille, ok, je peux pas lui retirer. Métamorphose. 2, 1, 2, 1. Ok. C'est jamais, si je trouve un sort niveau 3, je pourrais lancer Miyashinmaru du coup. Ouais, non, je vais peut-être lui mettre tortionnaire. Hein. Ça peut être fort, sorcionnaire. Et en intelligence, ouais, bon, on va lui retirer. Ah bah, il a un point d'intelligence, on ne sait pas d'où. Je sais pas. Mémoire ou constitution? Il a combien de PV? On voit pas. Vas-y, mémoire. Je lui retire son seul point d'intelligence parce qu'apparemment, je lui en avais mis un. Ouais, parce que j'ai 0 point furtivité, ça sert à rien. Oh putain, je vais devoir le portrait de iPhone, il a une grosse armure maintenant. Ouais, je sais pas pourquoi. On dirait. Ataro. À quoi? On dirait. Ataro. Ifan, putain, j'ai oublié de regarder ses compétences parce que il a combien de points en chasseur? 3. Ouais, non, en vrai, chasse. Ranger élémentaire, c'est bien sur lui. Donc ça fait des dégâts élémentaires, ouais, bon, c'est cool. Et trou flèche, c'est bien aussi. Ouais, non, je sais pas quoi le retirer. Oui, il a subi des dégâts. Je sais pas. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des persos intelligents en vrai? Parce que, en soi, l'intelligence, ça fait quoi? Ça augmente les dégâts, non? C'est les dégâts de certaines attaquants. On est d'accord, mais j'ai aucun perso qui utilise l'intelligence. Ils peuvent être cons comme des. Ils peuvent être complètement cons. Moi, mes deux persos, ils s'utilisent l'intelligence. Dextérité. Ouais, bon, en gros, tous mes persos peuvent être cons, quoi. Ça. Il n'y a Oui, pas de tu peux. souci. Je peux leur retirer tous leurs points. Ouais, dextérité. Dextérité, dextérité, ouais, bah en gros il utilise que de la dextérité, il fan. Bon bah je vais lui tirer tous ses points d'intelligence pour de la dextérité. On lui retirer un point dextérité, un point de force, ça sert à rien qu'il en ait autant. Et là il va faire combien de dégâts là en faisant ça? 42-52. Après, il a combien de compétences sur lui? Ouais, bon, ça sert à rien. En vrai, je peux. Ah oui, j'ai plus de sort. Ouais, bon, il peut apprendre un sort. Il a 11% de faire un crit. Bon. Moi, perso, je pense que c'est bon. 17% de faire un crit, hein. Ouais, bon, il peut être con quand hein. Il peut être complètement con chez Noirou, il fait pas de dégâts basés sur l'intelligence donc. Ah oui, tiens! J'ai des trucs à analyser. C'est qui a l'argent sur lui? Ah ouais, chez Noirou 4227 pièces. Ah oui, c'est lui qui a l'argent. 4127 pièces. Bon, allez. Peut pas voler des trucs pour les vendre. C'est vrai qu'il faudrait des recettes pour faire les potions de soins. C'est vrai que ça serait cool de savoir ça, de faire ça. À moins que ce char. Quoi, il a lenteur? Ah, ok. Ah merde, j'ai oublié de. Iphone, il est resté comme un pion. En vrai, il y a encore des trucs à voler hein, dans le bateau hein, qu'on peut revendre. Bon. Je vais aller à la ville. Et après. J'ai des trucs à analyser. Pourquoi il y a la lenteur? Aran le marchand.
Viens là, toi. Tiens, je t'offre un tableau. Putain, mais il est riche, lui. Faut plutôt que ce soit Ifan qui le vende. C'est vrai, il a 4 en troc, autant en profiter de ses points de troc. Puis Shinwaru, il est mal vu. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est. Parce qu'il vole. Bon, qu'est-ce que je peux vendre? J'ai un koutal. Bon, on va vendre le couteau. Putain, j'ai 8, 6 rubis. Je pourrais devenir tellement riche en les vendant. J'ai des potions vides. Putain, il faudrait vraiment trouver le mec qui fait les recettes. Bon, ça, je vais le donner à Ifan parce que bon, ça sert à rien d'avoir ça sur moi. C'est vrai que Shinwaru a bouffé des têtes. Il a bouffé une tête de Magister, il a pas dit que c'était pas bon. Hein. Il l'a mangé. Peau de miel, ça se vend pas. Plus 9. Putain, il faudrait que je mette la rune. J'ai une rune, il faudrait que je la mette sur mon équipement en vrai. Ah oui, j'ai l'anneau de Jonathan. Ah bah, il est mieux que celui que j'ai. Hop là, à moi. Je sais pas pourquoi j'ai ça moi, mais. Bon, j'ai un bouquin qui sert à rien. Hop là, poubelle. Tiens, Ifan, comme ça toi aussi tu sauras faire. Ça, j'en ai plus besoin. J'ai du blé. Je sais pas pourquoi. J'ai un couvercle de tonneau. Pareil, je sais pas pourquoi. J'ai dit quoi? J'ai vraiment ramassé tout et n'importe quoi, moi. J'ai des livres, mais je sais même pas quoi faire. Bon, pareil, j'ai pas déclenché de quête en faisant ça. Allez, un verre en argent. Hop là pour Ifan. Du savon. Non, mais non, on va pas donner à ce mec un. On va pas donner ça à ce mec un savon. Il va me prendre pour un fou. Il dirait. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Bon, je vais déjà vendre ça. Il sait pas que c'est passé quoi avec le fauve là. Bah je sais pas, il est pas full vie et puis avec toi. Ah, c'est quelqu'un qui de. Entendre le tabasser. Mais non, je vais le modifier ses capacités d'être un miroir. Pourquoi ce truc est. Non, je vais pas le vendre. L'arc de Vlaya volé. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Je ne vois absolument pas ce que vous êtes en train de me reprocher. Un couteau. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Tête de chasseur, ouais. Écoute, ce que je te propose, mon gars, c'est que je te. Non, bon, quand même pas. On est là pour négocier. Je te propose. Les 64 pièces. 74 pièces. J'accepte votre offre, merci. Bon, maintenant. Les trucs à analyser nécessitent 12 d'intelligence. Ah, c'est peut-être pour ça que j'avais mis ça. Bon, j'en sais rien. J'ai un marteau. Non, non, c'est pas à vendre ça. Oh, malade. Ça, c'est à 215 pièces. Modou, 2 en force, 1 en télékinésie, 1 en troc. Pas mal. Est-ce que j'ai un autre truc à analyser? Bah non. Bah non, j'ai rien d'autre à analyser. Ah, mais il avait pas d'anneau, Ifan. Bon, voilà, Shinaru. Retour à l'idiot du village. 174 de résistance physique, 180, 194 de. Ok, pas mal.
Bon, une fin, t'as les restes, hein, comme d'hab. Bah, peut-être que je te fasse un bon équipement, mais j'ai la flemme. 3-12, ah ouais, effectivement, c'est. Faut te trouver un casque, Ifad. Bah, prends les. Ah, là, y a des trucs, faudra que je vende. Hein. Putain, t'as pas d'anneau. Hop, maintenant t'en as un. Ah ouais, les jambières, c'est pas ça. Hein. T'as vraiment, il a reçu tous les restes, vraiment. Trois douze. Ouais, non, bof. Alors, on va peut-être acheter de l'équipement Ifan, là. Il se bat vraiment avec. C'est pour ça qu'il meurt vite, il a rien, quoi. Ouais, faut des jambières, quoi. Ouais, bon, on va faire. On va lui acheter des jambières à Ifan parce que là, c'est. Ça fait un peu petit pitié. Non. Armadio, c'est quoi ce truc? Ah, c'est un bouclier. Waouh. Il est vénère le bouclier. Non, des jambières de partisans. 2774 pièces. Espèce de malade. Bam. De flanquer, ça serait bien pour Shinoharu. Poignard magique. Ah mais frère, tu me vends ça hyper cher quoi. T'es un voleur. Bon, c'est quoi qu'il fallait acheter? Des jambières, je crois. Médaillon, ouais, le médaillon il fait peur quoi. Ah oui, c'est vrai, l'équipe pour porter de l'équipement, il faut de la force des fois. Ah bah 754, ok, j'accepte. Après ça c'est 2002. Ah ouais, après c'est légendaire ça. 2374. Si je deviens son pote, peut-être qu'il va me faire un prix. Qu'est-ce que je pourrais lui vendre pour devenir son pote? J'ai une hache à 200. Mais c'est une arme quoi? Ah ouais, c'est une arme unique. Putain, si je te vends mes deux trucs comme ça, on devient pote? Waouh, plus 13 en bienveillance. Alors, je vais donner des trucs de merde à Ifan et il va devenir pote avec le marchand et pour tout ça pour avoir des promos de fou quoi. Que non, Shinoharu il a des bonnes il a un bon équipement volé. Bon, je vois pas de quoi vous voulez parler. Ouais, non, peut-être à la rigueur son armure qu'il faudrait changer. Ouais, mais j'ai pas assez pour les deux persos quoi. On va faire des On va essayer de faire des promos. On va essayer de faire baisser le prix quoi. Tiens, Ifan, gère les affaires à notre place. Après, bon, il y a des équipements que je peux vendre, genre le casque magique. Bon. Ça, pareil, 4-3 en défense et en physique et en magique, bon, pas besoin quoi. Des assiettes, hein, je vais les piller le... Ça va aller piller le marchand, le bateau pour aller vendre ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi
Je me balade avec un truc qui pèse 20 kilos, je suis un fou moi. Après oui j'ai des pierres mais je me dis c'est pour l'alchimie, c'est un jour il y a un... on comprend quelque chose à l'alchimie. Amulette de la rose. Bon allez vas-y. Faut trouver de l'argent, on va en trouver. Pantalon à long démodé. Bon, je pense que il serait peut-être temps de le vendre, toi. Ah, je crois que tu fais aussi ton perso là. Une plume. Je sais pas pourquoi ça vaut 110 pièces la plume. Bon, je suis sûr qu'il peut se dé... on peut se débarrasser d'un jeu de cartes. Hein. Qu'est-ce que je peux vendre? Ah non, pas des potions de soins, hein. Faut falloir. Mais je suis sûr qu'il y a un marchand, un magicien, quoi, un truc comme ça. Du jus de pomme, on va quand même pas vendre un jus de pomme quand même. Bon bah après il y a des trucs je me dis que c'est pour de l'alchimie ça peut être sympa. Hop, on peut vendre ça. Je vais être pote avec le marchand tout ça pour au final de me dire bon finalement j'achète rien hein. Je pense qu'avec ça on a moyen de d'être pote avec. Écoute mon gars, je te donne un crâne. Ah, tu le prends bien. Tiens, je te donne un couteau. Deux couteaux même. T'es mon copain? Ouais, je suis son copain. Est-ce que ça baisse les... Est-ce que ça réduit? Genre les gens de Birk. Légendaire. Ah, 600, 600 écus d'économie, mais bon, j'ai pas. C'est paf. Ouais, 725. je suis prêt à aller combattre, moi. Je finis mes ventes. C'est un jeu de cartes. Et je te propose deux. Voilà, je te donne ça. Ah, 36. Bon, maintenant, là, on commence à parler à faire, là, mon gars. Commencer à essayer de gratter là où on peut gratter. Bon, je pense qu'on trouvera pas mieux bouclier que ce que t'as là. Tout ça pour s'acheter des gens, d'acheter une jambe à Ifan. Bon, 342. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 342 pièces? Ah ça c'est vrai, mais ça c'est un bouclier. C'est sans une pièce, ouais. Bon. On va s'acheter ça, les jambières de plate. C'est sans une pièce, ouais. Bon, j'ai l'impression qu'ils vont me faire couiller, mais bon. Après c'est pour Ifan quoi, c'est pas pour Chinois ou. Alors les calculs. Ok bon on va un peu. Ah. Du coup, tu veux qu'on aille où maintenant? Faut qu'on fasse quoi? J'avoue, je sais pas. 727 pièces. Merde, putain, mais jeu de mort ça.
Toi qui vois, regarde la carte. 460, je dirais qu'il faut. 62. Ah, sans trop. Bah, que pour 3 pièces. Voilà. J'utilise combien? 359 pièces? Bon, c'est 3 cadavres, quoi. Voilà. Il fallait des nouvelles jarbières et je me suis pas ruiné. Je suis devenu pote avec le marchand. Du coup, on pourra vendre toutes nos merdiers. Toi, tu vends quoi? Tu vends du poisson, espèce de sac à merde. Bon, les nouvelles jambières pour Ifal. Ça pour qu'il meure en 2-2. Il a 145 en armure physique. Bon, il a une armure magique de merde par contre. Prochain objectif. Ah, je peux pas le mettre. Faut 12 ans en intelligence. Ok, bon. Ah, je vois que tu fais des choses. Il fait un an la thune. Attends, tu... Et là. Ouais. Regardez, il y a un chapeau ici. Un chapeau? Et un casque qui fait 20 armure physique. Où ça? Voilà. Je regarde si. Ça va être pour le. En vrai, pour... Ah non, donne-le à Ifan du coup. C'est vrai qu'il a pas de chapeau. Lui. Bah, il a une armure de merde. Son casque, il vaut plus rien. Le faux. Il avait pas de casque aussi avant. Ah, bon, bah, donne-lui alors. Ça se vole ça? Il a combien de poids? 94 de chinois ou? Ah, il y a des porte-bonheur. Ah, effectivement, des ennemis. Oh. Fais attention, il y a des hurleurs. Du coup, on peut pas passer. Bah, on peut les les buter avec voir pas périr sa suite de sens, mais ils sont trop loin. Ah, j'ai pas assez de points de source pour utiliser ce que j'ai. Ah oui, mais normal, j'en ai plus que deux. J'en ai pas en fait, j'ai pas de points de source. Bon, bah on peut pas passer par là. Je vais me mettre en hauteur. Là, ce qu'on peut faire, c'est j'envoie. En vrai, je peux envoyer Shinwaru pour le vampiriser. Vas-y. Oh, c'est bon, je viens t'en buter là, je vais buter l'autre. Fan, reste. Ouais, j'ai réussi à en buter un, mais j'arrive. Ouais. Attends, je m'en occupe de celui-là. C'est le sort avec l'écrou là, la personne source. Oui. Vas-y, j'y vais. Ah. Ouais, c'est... Ah. Ah oui. Ça one shot carrément. Je te lise. Il faut qu'on se mette en endroit en hauteur assez haut pour le. Ok.
Après, ouais, moi je peux y a... je peux voler. Oui, mais je pense pas que ça va être la situation. Ah oui, la sauvegarde elle doit de dater, non? Oh non, j'en ai fait une, il n'y a pas le retour. Ah merde, c'était avant l'achat. Je l'avais. Ah non, j'avais pas acheté le truc. Bon bah, je refais mon achat alors. Je sais plus ce que je vendais. Ah, sans issue. Ah ouais, ça rapporte les 337. Ah, c'était 701. Ah oui, 37 plutôt. Je vais retirer 36. Voilà. Voilà. Bon, cette fois-ci, j'évite de mourir comme un. Oh, t'as réussi une quête. Ah ouais, il faudrait peut-être un autre arc pour Ifan, on me dit. Bon, je vais bientôt pouvoir te rejoindre. Voilà. C'est passé quoi ici pour que ça brûle? Tu devrais dire à Ifan l'avocat plus. Ouais, je suis pas l'impression que ce soit très efficace. Peut-être qu'il soit dans la maison carrément. Voilà. Encore 2 tours à attendre avant que les feux donc il récupère son passif. Ah mais il y a une trappe là. Trouver un mec. Bon, négocier avec lui mon instant. Moi je suis pas intéressé par vos histoires. Hein. Bon, il veut quoi le ce monsieur? Ah, faut l'escorter. Mais attends, j'aurais dû parler une. Fan la thune. J'avoue que je. Fan, il faudrait peut-être arrêter d'écouter là. Marche pas trop, hein. Ah, on peut soit prendre le parti du type là ou
où on peut se mettre du côté des machinistes. Ouais, le problème, c'est qu'il est fort, le mec qu'on accompagne. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Non. Non, non, il a même pas d'armure physique ou machin. Il a que 600 blés. Ah, le problème c'est qu'ils sont 4 quoi. Je sais pas trop quoi en penser. Ah. Ah oui, ils sont en train de se fight entre eux. Je vais vous compter à côté en train de voir se faire défoncer. Vas-y, je vous aide les gars. Aïe! Ah, une grenade et de l'argent. Aïe! Bah, de la chance que vous êtes plusieurs, hein, vraiment. Hein. Attends, occupe-le, je vais le voler. Ah, faut combien d'adresses? 4! La raison pour laquelle vous essayez de vous faufiler? Possible. Je peux le voler votre collègue? Non, il a... Bon bah, bonne côte, bien rudement menée. Hein. Je vais te payer. Ok mon gars. J'avoue que bon, on n'a pas essayé de le sauver. Hein. C'est 4 bâches et ça quand même. Bonjour monsieur, faites pas attention à moi. Faites pas attention à moi, je suis. Il se met en garde, il vous salue. Okay. Bonjour mon gars. Y'a pas trop de. Bon, on sait pas ce qui s'est passé ici. Bon, enfin, si on sait ce qui s'est passé, les mecs sont venus. Bon, des patates. Tu peux se vendre? Eh ben, c'est bien. On aurait dit un simple village de forgerons, mais... Il a dû se passer des choses. Bon, j'ai compris, je bouge pas. On pourrait se mettre pour celui-là. Celui qui est haut. Ah, là-haut. Ah, je sais. J'ai une idée. Je t'en. Ah, quoique, je suis peut-être. Ah, on peut pas. J'ai cru voir une échelle, mais non. Oh, t'es pote. Je viens de. Il vient te tromper, tes potes légendaires, le. Le hurleur? Oui. Mais faut la. Et examiner. J'adore les 3/4 des trucs qui sont moi, c'est marqué voler. Tu es un voleur. Attends, j'ai envie de tenter un truc. De toute façon, le hurleur, il va pas m'avoir d'ici. Eh, salut les gars.
Oh bah Riff, Ifan. Ah mais je l'ai pas. Ah ouais, j'ai oublié de le désynchroniser. On a vu sa magnifique athée les chansons. Ah bah oui, il m'a suivi alors qu'il aurait il pouvait pas. Tain, j'aurais dû le. Comment on fait déjà pour pas qu'il me suive? Parce que j'ai beau le retirer, mais des fois il me continue de me suivre. Bon bah rip les potels les champions. Ah. On saura jamais Tout ça parce que Ifan était trop con, il m'a suivi. Ah, écoute, hein, je leur ai mis aucun point d'intelligence donc. Bah je recherche. Ah, voler de la Suisse est considéré comme un crime. J'avoue que là l'IA était un peu aux fraises. Hein. Le fait qu'il ait continué à me suivre alors que. Alors que je me suis envolé. Bon, j'arrive, hein, je vole des tartes aux pommes. Oh! 400 pièces. Putain, je suis encore plus riche qu'avant, quoi. À la place, nous savons une ceinture épique. Ah mais du coup, lui, je sais pas comment... Ouais, pas toi, si je fais ça. N'oublie pas de te synchroniser, Ifrit, si tu comptes t'envoler. Ah, il me suit plus. Ah non. Voilà, c'est bon. Salut. Salut, à Paris, c'est Laura si c'est arrivé. Ouais, mais maintenant c'est un fantôme, il s'en fout. Non, non, referme ça à la porte. Il y a des trucs bizarres à l'intérieur. On va attendre peut-être Ah, on va avec attendre. tout le monde. Ah ouais, ils sont à deux. Ok, il n'y a aucun endroit où on peut se mettre en hauteur ici. Ça marche pas, hein, l'effet de la furtivité. Alors, je vais tenter un truc avec mon vol. Est-ce que je peux me mettre sur le toit de la. Le toit. Genre, est-ce que. Voilà. Ah bah non, je sais pas. On peut faire celui-là. Alors là, c'est trop éloigné. Ah non, t'as pas le temps de Non, sortir. il... ouais, tu peux le buter, mais il faut sacrifier quelqu'un, je pense aussi. Trop bizarre. Alors, je vais voir ce qu'il a looté. Ah merde.
J'ai envie de tester en mode furtive et sortir de ma furtivité, mais ouais, je pense que ça va rien faire. Non, ça va, je vais faire un détecteur. Je pense que vaut mieux peut-être sauvegarder devant le avant de laisser de la voix. Mais ouais, je vois que la technique du téléport est du vol. À moi. Parce que. Non. Dommage. Ça, je ramasse. Aïe, aïe. Putain, mais il va de loin, lui. Je vais aller buter l'autre. Salut, bah, je sais pas trop comment. À part. Oh, ça se sacrifie, mais c'est bon. Peut-être. Peut-être. Ah ouais, mais non, mais one shot en fait. C'est ça le problème. Je vais tenter un truc. Ah non. Ah bah c'est bon, j'ai réussi à passer sans le... sans qu'il me tue. Par Bah contre, ça... avec A, toi. Bah, pareil pour toi, iPhone. Je pense qu'on a une vitesse une vitesse la même. Anti-iPhone du coup. Mais vu qu'il rapporte du loot, j'ai envie de tenter quand même de le tuer. Bon, on Ouais, mais sait du qu'avec. coup le seul moyen c'est le Quoique j'ai l'impression qu'il peut cibler que un ennemi à la fois, donc si moi je me mets à courir comme j'ai fait là devant lui et toi tu l'attaques en même temps, Ah, vas-y, tu on auras peut. peut-être. Ça se tente. J'ai le sort de près. Ah, je suis trop loin. J'étais trop loin. Mais oui, j'ai l'impression qu'il n'en cible qu'un. Ouais, faut aller faire ça. Bon, il a rien looté, hein. Bon, Ifan, tu peux revenir. Ok, bah c'était ça la strat, il faut être à deux. Wow, comment il a couru? Après la strat c'est aussi le hâte du faux aussi. Du coup on peut aller dire coucou à eux là, aller voir ce qui se passe. Oh, une fumigène. J'ai trouvé une bombe lacrymogène. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que cette simagrée? Bonjour police nationale, montrez vos papiers. Ah ouais, il y a un chien.
Sont bons. Ils sont quand même deux. Ah, of course. But I'm afraid that doesn't. We have to get moving, Ring. The two magisters whistle up their source hounds and advance upon you. C'était un peu évident. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ça rigole pas. Et il est niveau 16. Ouais, donc. Il y a quoi la nuit Et l'autre aussi est niveau 16 en plus. Ouais. On a pas trop le niveau, quoi. Après, pour savoir que maintenant, si j'ai suffisamment de points de sort, je peux one-shot un ennemi. Hein. C'est à condition qu'il lui reste 20% de sa vie. Donc, voilà. Il aurait fallu le mettre à 200 PV et j'en aurais pu en tuer un. Hein. Ouais, non, bon. On n'a pas le niveau. Il y a d'autres à part Ah, il y a un bateau. Quêteur silencieux. Bon, il est. Bon. Il va faire quoi le guetteur? Il parle pas. Hop là, c'est à moi. Et voilà, on ferme la porte derrière. Est-ce que je peux voler? Est-ce que j'ai télékinésie donc Ah, je suis gourmand. Hein. Je peux voler un chien la tire. Je sais pas ce que je peux lui voler. Il te vient encore pour te voler l'ennemi. Ça va, le chien il se panique pas trop, hein. Il voit un paquet de spawn devant lui. Non, j'allais dire, est-ce qu'on peut aller à l'escalier sans se faire trouver, mais. Oh, y'a rien. Oh! Y'a un coffre, y'a un truc qui a pété et. Bon, il panique pas trop, hein. Ça va, le chien qui se pose pas de questions, t'as pas de questions. Bon, il se pose pas trop de questions, hein. Ah, salut. Bonjour, vous. Oh. Il se pose pas de questions, le chien. Ouais. C'est quand même. Et un truc qu'on peut. Salut! Au revoir! En vrai, est-ce que tu lancerais pas un sort de feu? Ouais, non, ça va être de la merde. Pourquoi je lance ça? Je sais pas, j'ai envie de lancer une grenade dans la baraque et me barrer. Hors d'atteinte. Bon, bah. Ouais. Ok, mec. Ça va, les mecs, les guetteurs, ils sont pas très réactifs vis-à-vis. Ah oui, il y a une porte. Si on a pas la clé, il suffit de la détruire. À moi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur eux? Rien. Là, je parlais au roi, qu'est-ce que t'en... Personne qui t'y sait, aurait pu voir si sauter au projet de valeur sur eux. Ah bah c'est chinois ou hein. Bon, y'a rien sur eux. Ah si. Porte-bonheur qui s'est activé. Putain, je pense que je devrais améliorer porte-bonheur. Putain, mais je suis... La richesse grâce à porte-bonheur.
Putain, je parlais au roi. Il pense quoi du roi de la situation là? Non mais. Je peux ramasser une tête. Bon, le roi, t'en penses quoi de la situation là? N'approche pas, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est mon trésor, il est à moi, il n'y a personne d'autre. Très bien, mais je vous tiens là, c'est à moi, d'accord? Jusqu'au petit orteil. Bien sûr que j'ai tout vu, je l'ai senti venir, ces créatures empêchent la peur. Comme... pas qu'ils ont besoin. Bah du coup, bien, je crois qu'on a rien à faire ici. Non mais Laura, t'as pas un plan là, t'as pas un... Je sais pas, de l'argent... Bon, bah, va te faire foutre Laura. De frustration, il va le mettre le feu haut à la baraque et se barrer. Bon bah ouais bah j'ai envie de dire la plupart de... bah faites vos trucs hein. Faites vos bails. Ah, il y a une caisse qui a pas été loot. Bah je peux compter sur toi pour la... Des chaussures en bois. Ok, j'ai ramassé des sabots. Bon ouais, on n'est pas suffisamment au level. J'ai envie de dire comme la plupart du temps. Ah, y'a quoi ici? Y'a un truc là. Ça sent l'aventure à plein nez, ça. Alors, y a que dalle, y'a juste deux tentes qui se battent en duel. Dommage, porte-bonheur qui s'est pas activé. Alors, c'est quoi le anneau que je fais d'autre sur le... Je sais plus comment il s'appelle. C'est un mec, ça, non? Ah non, c'est un lit, ok. J'ai trouvé un truc. J'ai trouvé une grotte. Wow! Qu'est-ce que t'as fait? Je suis dans un. Je suis dans une grotte. Guerrière du cercle noir. Pétrole noir. Bizarre, bizarre. Une fosse à pétrole. C'est qui te désamorcer les mines? Ah, il y a des trucs. Là où je suis, il y a des trucs. Il y a des putains de mines de partout. Voilà, tu lui as été sa brosse comme ça. Ah, moi j'ai une autre manière. Comme Ça ça. aussi, c'est bien. C'est des nécroflammes, ouais. C'est des. Tu veux pas aller éteindre tes nécroflammes Nécroflammes, non, avec la pluie ça marche pas. Je crois que ça fait même des vapeurs toxiques. Ouais, vapeur maudite. Pétrole de minuit. Oula. Ça explose de partout. Non, pied. Ah oui, ça pète de partout. La zone a l'air pas très grande. Ah, il y a un cadavre d'un mec, un troufion. Ah ah ah.
Non mais arrête de lui parler. Moi je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, on utilisera. Putain je suis bête, je vole. Putain je vole les tous les. Non mais je veux pas qu'il me suit. Ah, de me suivre, Ifan. Oh. What? Je sais pas quand je me suis fait buter. Bah, vu que ça pète de partout. Ah, je vais y aller en volant en fait. En volant, je suis sûr de pas toucher les pièges. Parce que j'ai le truc. Ouais, j'ai oublié que je volais. On va s'en oublier, hein. C'est tellement normal maintenant de voir Shinaru brûler ta laisseur. Que j'ai tendance à l'oublier. En plus il détecte les pièges. Bon Ifan tu me suis pas hein. Allez, auto-regarde Shinaru. Hop là, oula, il est entouré de pièges. Heureusement que Sherlock est un fantôme. Hein. Le truc a despawn au moment. Ah, c'est des mines explosives. Je sais pas comment j'ai fait, mais il a pas marché dessus. Putain, j'ai failli me sacrifier. Aïe. Ça sort plus tout de suite. Bah, il y avait rien dans le coffre. Non, mais ça continue après, il y a un autre chemin. Ah oui, tout là-bas. Ça peut pas marcher. Peut-être m'envoler. Ce que je peux utiliser, c'est la téléportation aussi. C'est vrai que là-bas il y avait un cadavre. Il n'y a rien pour éteindre le. Oula. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est où le fond? Bah il t'a suivi et. Et comme il a un passif de merde, bah. Il s'est tué. Ah, moi je sais pas comment j'ai fait, j'ai esquivé les mines quoi. Il y avait 3 mines autour de moi, je suis passé entre deux, non pas eu. Bah GG. Je vais aller looter le cadavre de l'autre dans l'acide là. C'est vrai que c'est pratique de voler. Hein. Oh, bah non, donc, je sais pas si je peux me téléporter avec le truc. Ah ouais, mais il me suit là. Ah, y a rien. Et dans le cadavre du mec. Oh! Bon loot. Ah bah. Ah non, j'allais dire le. Bon bah, j'attends gentiment d'avoir. Mon vol. Hop là. Hop là, je traverse le mur. Bon, si jamais il y a un combat, bon là. Ah. C'est vrai que le city, tu sais, ça augmente ma perception pour les pièges et tout ça.
Ah, du coup, je merde, j'ai des compliqués au piège. Salut. Salut. Ah. Tu as un peu dans les flammes là, non? Un peu. Ah mais il fait quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Partait bien, puis je sais pas, Il est parti en couille. Ouais, je sais pas compris pourquoi ce qui lui était arrivé. Bon, je cherchais d'abord j'étais greedy, j'ai vu les caisses, j'ai voulu aller les chercher tout de suite, sauf que bah, il y avait un piège. Dommage. Mais peut-être un truc dedans. Bon, par contre, lui, il y a du loot là-bas. Je vais le chercher d'abord. Bon, c'est cette pièce. Ah bah. Ah putain, mais Ifan, arrête de me suivre! Bon bah. Reste là, hein. Bon bah Ifan, ça va, hein, il est entre les deux trucs. Ah, et Studio, il m'a suivi. Au lieu de pas me suivre, il m'a suivi. Bon bah il va rester là. Hein. Fin d'aventure pour Ifan. Hein. Attends, reviens un peu en arrière. Qui? Toi. Là, il y a un piège devant moi, donc. Ah oui, je suis pas fou lui. Ah, me voilà. Je suis là. Voilà, c'est une strat comme une autre. Oh, on peut faire ça, hein. Bon, tu feras gaffe, il y a un piège, là. Est-ce que je peux téléporter... Ah non, je peux pas téléporter les esprits de ce qu'il y a blanc. Bon, bah, t'es prêt à me suivre? Bon, un tour, je récupère mon truc. Ah bah y a plus de pétrole là. Je te remercie de m'avoir mis un peu. Mais c'est trop chiant le truc de Dell qui se retire. En fait ce qui s'est passé ouais. C'est que j'avais mon truc Dell, j'allais l'utiliser puis c'est... Il a disparu. Bon on va y arriver. Bon, d'abord, on retire le fait qu'Ifa me suive, je vais aller chercher le mec. Bon, on va faire comme ça, on va se TP, tu vas me TP, je vais te TP, et bah tu vas te TP à moi, on va verser nos places, et puis on va avancer comme ça. Ça va de loin, hein, parce que Ifa, Shinoharu, son truc, il prend 6 tours pour se recharger. Au pire, vas-y tout seul la première fois. Et s'il y a un truc qui t'intéresse, Bon, déjà, qui me suit? Arrête de me suivre. Voilà. Alors déjà, je vais aller loot lui là-bas. Ah, je peux utiliser ça en fait pour tout faire. Pour tout faire. Ouais. Ah bah, Ifan est mort. Comment il est mort?
C'est Is, mais ça a foutu que tu fêtes littéralement partout. Ah bon, faut pas utiliser ça quoi. Ah, je me suis dit, bah, je vais, avec ça, je vais pouvoir détruire tous les pièges qu'il y a dans la zone. Non, mais il respawn les pièges. Je vais d'abord loot le mec parce qu'il a quand même une potion de soin donc. Puis on fera le. Ah, il n'y a rien dans les coffres donc. Dans les caisses. Ça pour tomber sur un mec qui va me tuer tout seul, qui va me tuer parce que je suis. Ah oui, d'abord, il fait un target de me suivre. Et de deux. C'est pas moi, moi je suis pas rien. Oui, bah j'ai arrêté de sympa persécuter. Hop. Hop. Y a rien. Voilà. Là, je suis à l'abri du poison. Le voilà. Ah, je me demande qui a foutu le feu partout. Hein. Aïe. Je vais attendre deux. Ah, juste attends que j'arrive à chaque fois, ça sera mieux. Hop là. C'est. Bah, bouge. Bah, je peux pas bouger. Là. Le prochain, tu vas te faire péter ça. Ah, mais. Jeu de mort là! Vas-y. Si Laura serait toujours en vie, il serait mort depuis bien le. Là, il n'y a pas le feu. Bon, je vais attendre d'abord de me soigner avant. Je pense que là, en un saut, je peux y arriver. Ah, tu peux venir me. Tu peux me. T'es, tu t'es, tu, on peut changer de place. Ah, mais t'es trop loin. Pourquoi il a bougé? J'ai jamais cliqué pour qu'il aille là-bas. Hein. Il y a une potion de sol à partir. Ah non, une potion de percept sous. Elle fait dans ce, oui. Il reste que ça là. Oh. Ah, il y a un PMJ. Ah, mais attends, maintenant je peux juste utiliser. Ah, il y a un ranger. Je peux utiliser la pyramide de téléportation pour toi. Bah oui. Donc je dirais pas non contre du soin aussi. Non, j'arrive. Ah ouais, mais c'est dit. Bon bah, il fan qui va pas pouvoir se TP à moi. Il y a juste une ranger là. J'attends de me soigner quand même. Pas full vie, mais quand même un peu. Oh. Tu crois que c'est ma chose? Il y a un rush tout. Plus haut récent. Oh, putain. Hein?
Ah, c'est des Sonic et le pangolin. Non, je fais tout. Ah non, tu m'as pas touché, je suis pas en feu. Je suis juste lent. Bah, attends pour le lenteur. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être des. T'as bah heureusement que on y allait à plusieurs. Oh, et surtout tout ça vénérable au feu. Du oui, fan. Mettre. Ah oui, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est où? Bah il a. Non, mais. Ils sont tous venus à beau feu. Ah bah on va rigoler. Ils sont combien? 1, 2, 3. Ils sont 4. Bon ça va, s'ils sont que 4, c'est gérable. Ouais par contre. Par contre ouais la meuf là elle est morte. Hein. Il y avait une meuf là, une ranger, bon bah. Capoute, la pu. Ouais bon ok, s'ils sont que 4, c'est gérable quoi. Après j'espère qu'ils vont pas respawn à l'infini quoi. Est-ce qu'il y a des trucs utiles là dans ce que je vois? Bof quoi. Ah il y a une sorte, il y a une sortie de mine. Pff, oh, bon, ok. Ok, il n'y a pas de débat quoi. Ah, ok, quand ils explosent, ils mettent de la cible. Aïe! Bah va dans le feu hein. Mais attends, pour toi, t'es blessé. Ouais, bonne chance hein. Il a même pas pensé moi dormir. Voilà. Bon, ils sont hyper fragiles au feu. Attention, il y en a. Ils sont encore. Attends, ils sont encore trois. Ouais. Ah, il y en a un qui est en armure, qui est un peu différent des autres. C'est lui le plus dangereux en vrai. Le retour de malédiction. Oula, il fait mal. Kid ralliement, c'est quoi? C'est un truc de hors de guerre. Ah non, à vos cassio. En fait, plus il y a d'alliés dans une zone autour du centre, plus elle est plus centre. Le foie va peut-être mourir. Je sais pas eux s'ils sont les rejetons en armure, ils sont fragiles contre le feu.
prête. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Par contre, faut que tu soignes le vent, sinon il va prendre les... au prochain. Ah, j'ai rien pour soigner. Ah si, j'ai ça. C'est lequel qui attaque avant C'est celui-là. Hein. Celui qui est à côté. Qui... Voilà. Comme ça, il pourra pas jouer. Est-ce que je peux lancer mes couteaux? Ah non, je l'ai pas. Bon, je prépare mes ailes au... Sait-on jamais. Bon, je peux rien faire de plus. Ah merde, c'est pas suffi. Faut deux points de source. Bon bah creeper chez non. C'est ça. Putain mais le feu ça fait trop mal hein. Peut-être pas tuer en vrai. Tu peux pas mettre tout Tom. Ah mais c'est moi qui joue après. Bah je crois que je vais mourir au prochain tour de toute façon. J'ai plus qu'une bouteille de soin donc c'est chiant quoi. Bon bah rip hein. Après non avec la... Ah non c'est l'armure qui va prendre, l'armure physique magique qui va prendre. Ouais non je vais quand même survivre. Le problème c'est ouais c'est le rejeton en armure là. Malheureusement. Oui. Bon bah t'es tout seul contre contre deux. Ah mais en vrai c'est le feu qui fait trop mal. Ah, c'est vrai qu'il manque Ifan aussi.
Putain, mais ils attaquent combien de fois? Ouais, il reste 13 PV. Ah ouais, on peut pas faire, on va pas faire Game Over parce que Ifan n'est pas mort. Ouais. Coucou. Voilà, Ivan, seul survivant. Je vais sauver mes potes. Non, mais c'est qui va réussir en plus. Voilà. Y a combien le loup? 500 sur tous les. Et il a quoi comme attaque? Le hurlement du loup. Donc c'est lui qui va avoir l'aggro. Qu'est-ce qu'il fait en haut En lui? fait, c'est à toi quoi, en fait, au Ouais. Toulouse. Ah mais il a régène. Bon c'est mort. Oh mais ça c'est un truc de bâtard quoi. Ah dommage. Non mais ils sont trop chiants à balancer leurs boulets en boucle là. Bon je peux pas gagner le combat. Mais il est chiant pour rien ce combat en vrai. Je prends racheter. Ça rage quit. De rage, il ferme le jeu. Bon, on peut le retenter hein, ce combat, de toute façon. Hein. C'est pas comme s'il était impossible. Okay. Ifan, ça devrait aller. Enfin, le problème, il faudrait téléporter Ifan à un moment. Oui. En fait, il faudrait le Le faire à faire. 4, le combat. Bah, je sais pas. Je sais pas, en vrai, il est. Ce qui est chiant, c'est qu'ils balancent leur boulet, quoi. Je pense qu'il faut qu'on soit séparés les 5 et sautes comme ça. Ils touchent qu'une personne avec leur attaque. Après c'est vrai que le feu, on a eu le feu sur nous, c'est chiant quoi. Bref.